salut à tous et bienvenue sur Gameblog, ou plus précisément dans la future arena d'Adidas. Et je crois que voilà, il y a un but qui vient d'être marqué. On est dans la ferveur d'un vrai stade de 50 000 personnes, sauf qu'ils sont totalement virtuels. Et ouais, regardez, ils ont recréé en fait dans une ambiance de foot 5, c'est-à-dire un bien plus petit terrain de 5 contre 5, et bien l'ambiance d'une énorme arène, d'un énorme lieu. Pour cela, ils ont filmé des dizaines de participants, ils les ont mis en boucle avec des séries d'animations différentes, la joie, le cri, la défaite, le calme, etc. Et ensuite, au sommet de la salle, et bien en fait, il y a 12 vidéoprojecteurs qui vont projeter ces différentes séquences sur plus de 100 mètres de bâche. Au-dessus de nous, et bien se trouve un petit poste avec des techniciens qui peuvent ainsi, en suivant le match, en temps réel, déclencher les bonnes séquences. Moi, je peux vous dire que j'ai vraiment vécu, crampons aux pieds, et bien un véritable rêve de gosse. Moi, je rêvais quand j'étais petit d'être un champion de foot. C'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment le cas. Et de pouvoir jouer comme ça, devant un public en délire, eh bien, j'ai pu le faire, virtuellement certes, marquer un but et sentir la foule se lever comme ça, c'est assez jubilatoire. Alors, vous aurez compris que là, on est à un événement particulier, à l'occasion du lancement un petit peu des derniers mois avant l'Euro 2016 qui se déroulera en France. Et donc Adidas, évidemment, est partenaire, parce que, vous le savez, ils ont annoncé le ballon beau jeu. Eh bien, peut-être que certains centres de Foot 5 pourront être intéressés par ce genre de technologie. J'ai en tout cas posé la question à un représentant d'Adidas et il me disait que l'équipementier ouvre la voie, ouvre la brèche, crée, on va dire, un précédent en montrant que c'est techniquement possible d'avoir la sensation d'être dans un stade, même virtuel. En tout cas, moi je peux vous dire qu'on en a des frissons supplémentaires, bien plus que quand on joue juste avec ses potes. Alors, forcément, ça coûterait plus cher en équipement, plus cher en infrastructure, mais alors le plaisir est véritablement là et ça vaudrait peut-être le coup d'avoir un petit billet de France 5, un petit peu plus onéreux. En tout cas, moi j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner, de me refaire un gros match et de faire en sorte que, certes, actuellement, c'est l'Allemagne les champions du monde, mais que la France, les Bleus, pourraient reprendre et regagner ainsi la Coupe du Monde. Bon, enfin, il faudrait déjà commencer par l'Euro. Allez les blés, allez les blés, allez les blés.